Royan, je ne te vois pas. Quelqu'un a vu Royan? Ah oui, il est derrière, je le vois maintenant. De ma hauteur, je vois tout le monde. Donc voilà, bienvenue aux 5 ans des apéros de la diversité. J'ai déjà eu l'honneur en fait, de présenter les 4 ans l'année dernière, qui était un moment assez exceptionnel. Mais en vérité, 5 ans, je pense que c'est encore plus à mettre en avant parce que 5 ans, c'est comme un enfant, ça grandit. Et ce projet est vraiment un projet qui grandit au fur et à mesure. Et on le sait, à 5 ans, on va bientôt arriver en primaire. On va savoir lire, écrire. Et je pense vraiment que c'est une étape dans la vie d'un enfant, mais c'est aussi l'étape dans la vie d'une association comme celle-ci, parce que c'est vraiment le début pour nous de pouvoir avoir une reconnaissance qui grandit et qui se fait de plus en plus institutionnelle. Alors, je voudrais d'abord remercier deux personnes en particulier qui vont venir se présenter, donc qui sont nos partenaires pour cet événement. Alors, j'appelle en premier Royan Moulenga, qui est cofondateur de Creative District, initiateur de Yokasi et Just Impact au Bénin. On peut l'applaudir. Merci. 5 ans, c'est effectivement un moment important. Et quand Henri m'a dit « Est-ce que tu veux participer à ces 5 ans des apéros de la diversité ?» J'ai dit « Bien sûr, oui. » Bien sûr, oui, parce que ici, je reconnais des visages qui étaient là bien avant les 5 ans, qui ont milité il y a très, très, très longtemps et qui ont fait que ce moment où on peut se réunir, ce moment où on peut aussi parler, non pas uniquement des problématiques, mais aussi des réussites, de rencontrer des personnes qui, dans leur domaine et dans nos combats singuliers et particuliers, ont fait qu'on puisse être présent, fêter ce moment. Merci Henri de nous réunir régulièrement. Ce n'est pas la première fois qu'on participe aux apéros de la diversité, mais ce serait bien que la prochaine fois, dans 10 ans, ce ne soit plus Henri qui organise ces apéros de la diversité, mais qu'il soit invité lui-même à des apéros divers et variés. Alors, je crois qu'on peut applaudir Henri. Voilà. Alors, C'est compliqué parce que je sais qu'il a la verve haute et tout, voilà. Alors, Creative District, ça fait 17 ans qu'on existe, assez paradoxalement. Oui, ça fait 17 ans, oui, regardez, les cheveux gris sont là. Il y a même des gens qui me disaient qu'ils voulaient comparer avec nous. Je vois qu'il y a des gens qui ont des cheveux moins gris que moi, et pourtant ils sont aussi vieux que moi et aussi présents que moi. Voilà, mais nous, ça fait 17 ans qu'on est dans les industries créatives et culturelles. Et souvent, on ne nous voit pas devant, mais on voit plutôt derrière les événements, on est support, mais on se bat pour quelque chose qui existe et dans lequel on attire l'attention, c'est de dire que la culture, et je vois des acteurs culturels très importants ici, ce n'est pas que du divertissement, c'est aussi de l'investissement, c'est aussi une place. Et je pense qu'en ce temps où, ouais, alors là, j'ai le regard des politiques qui sont présents, alors j'ai peur, là. Bertha, ne me regarde pas comme ça. Voilà. En ce temps où on va devoir faire des choix, je ne vous dis pas pour qui il faut voter, sauf si vous me payez cher et que... voilà. Hein. Mais en tout cas, je vous dis, faites un choix parce qu'aujourd'hui, on est à un moment où on sait que le choix que l'on va faire, c'est un choix d'avenir. Je crois qu'il y a des hommes et des femmes ici qui ont des opinions qui vont vouloir les défendre. Et ce n'est pas une question d'identité, et ce n'est pas une question même de mélanine ou de couleur de peau. C'est une question simplement qu'aujourd'hui, nous sommes à un tournant de nos civilisations, de notre société. Alors,
Moi, j'ai choisi de ne jamais faire de politique, mais de défendre les industries créatives et culturelles. Henri a choisi de vous réunir dans ce moment qui sont les apéros de la diversité. D'autres ont choisi de nous réunir autour de leurs convictions politiques. Moi, ce que j'espère, c'est que dans 10 ans, on sera encore ici et qu'on fêtera encore ce moment qui sera porté par de plus jeunes que nous. Hein, voilà. Et qu'on pourra venir fêter vraiment et continuer à festoyer. Et je remercie et je vous souhaite un bon 5 ans des apéros de la diversité. Merci Royen. Alors, notre deuxième partenaire, eh bien, il nous filme en direct, c'est Amine, pour la journée internationale du vivre ensemble en paix. Amine, je t'invite à nous faire un petit mot, si vous voulez bien le laisser. Merci. Attention. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Merci d'être là, parce que c'est important d'être à un anniversaire. Moi, je suis là pour fêter deux choses. Fêter de dire que la diversité est la force de Bruxelles, puisque Bruxelles est la deuxième ville la plus cosmopolite après Dubaï. Inviter toute notre diversité à se présenter aux élections et notre diversité qui ne vote pas à faire entendre sa voix. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de notre journée, qui est le 16 mai, mais qui n'est pas ma journée, qui est votre journée. Vous savez, il est plus facile de lever de l'argent pour des guerres que pour la paix. Eh bien, nous avons choisi de créer des académies de paix. Et grâce aux Nations Unies, nous avons une journée qui s'appelle le 16 mai. Il y a un site, 16mai.org. La semaine prochaine, je serai à Genève, plaidoyer devant les personnes et les ambassadeurs pour justement demander à ce que nous, moi je suis d'origine africaine, quand je suis en Afrique, j'ai les deux pieds là-bas, et quand je suis ici, j'ai les deux pieds en Europe. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous puissions être cette passerelle de paix et apprendre à l'Afrique, apprendre au reste du monde que l'humanité, la richesse intellectuelle, la fierté, ne sont pas uniquement des mots, mais ce sont des valeurs que nous défendons. Donc, merci beaucoup, Henri, pour cet anniversaire et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci bien. Donc, je vous disais, 5 ans, c'est le début de l'écriture. Et eh bien, dans l'écriture, nous avons l'UNESCO qui a écrit ceci, en fait. La diversité n'est pas entre les cultures, mais inhérente à l'idée même de culture, et donc constitutive des cultures. Plus que des mots, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est les faire vivre. Ne pas avoir simplement une définition dans un dictionnaire, mais pouvoir se réunir autour de ce mot qui est vraiment la diversité. Et c'est ce qu'on peut représenter aujourd'hui. Et je remercie Henri d'avoir créé cette initiative qui sont les apéros de la diversité. Félicitations pour ces 5 ans. Henri, tu peux venir me rejoindre, s'il te plaît. Bonsoir. Waouh. Quel enthousiasme. Bonsoir. Ah ben voilà. C'est différent ça par contre. Goedenavond, dames en heren. Je suis Henri Nzuzi. Je suis extrêmement honoré, ravi de vous accueillir pour ce 5e anniversaire des apéros de la diversité. Cela a été répété ici il y a de cela quelques instants, 5 ans. D'échanges, de partage d'expériences, de dialogue, dans un esprit de convivialité entre des hommes et des femmes de qualité que vous êtes, qui ont des choses à partager, qui ont des choses à proposer, dans un monde qui n'est pas toujours évident, très compliqué, avec parfois de l'ostracisme, avec parfois de l'intolérance. Mais en créant cet espace d'échange, nous avons voulu poursuivre un double objectif. Le premier, c'est évidemment promouvoir le vivre ensemble. On en a bien besoin dans une société qui n'est pas forcément évidente. Et la deuxième raison, c'est rapprocher les vues, connecter les différents écosystèmes qui gravitent autour des diasporas, des minorités dites visibles, mais qui ont un point commun, qui contribuent à la richesse du pays d'accueil et qui se proposent d'investir et de s'impliquer dans les pays d'origine. Et donc, en vous recevant aujourd'hui dans ce lieu emblématique,
Nous sommes au Fox Food Market, qui est très particulier, puisque vous aurez remarqué, il y a pas mal d'espaces où on peut manger et boire. C'est un espace qui est dédié à la multiculturalité. Et je pense que ce lieu se prêtait parfaitement à l'exercice aujourd'hui, puisque la diversité, évidemment, on recouvre beaucoup, beaucoup de notions. Ce n'est pas seulement la diversité culturelle, elle peut être confessionnelle, elle peut être politique, elle peut être philosophique, pourquoi pas. Je ne vais pas m'étendre trop longtemps. Avant que nous n'entrions dans la deuxième phase qui sera dédiée aux prises de parole des entrepreneurs ou des personnes qui ont des choses à partager, je vais lancer, et là, Tiffany, je vais peut-être faire une entorse au protocole, je vais plutôt commencer avec une autre catégorie d'invités qui, très brièvement, vous le savez, le contexte est très particulier. Nous sommes en campagne électorale, mais ce soir, il n'y a pas de campagne électorale. C'est plutôt une trêve que je propose, un moment de convivialité entre des hommes et des femmes de conviction qui, certes, ont des idées à proposer, mais qui, aujourd'hui, ont fait le pari, tout simplement, de se retrouver à l'occasion du 5e anniversaire des apéros de la diversité. Alors, nous sommes sur le territoire de la commune de Watermal-Boisfort. Pour ceux qui connaissent cette commune, qui nous propose évidemment des espaces verts, mais aussi pas mal de lieux sympathiques, et celui-ci ne déroge pas à la règle, je vais inviter un ami, un homme qui m'est vraiment très cher, avec qui nous avons aussi échangé, il y a de cela une vingtaine d'années, sur la manière la plus efficace d'avancer dans cette société multiculturelle. Il va venir ici sous vos acclamations. Merci d'accueillir Michel Koutendakana. Merci Henri. Est-ce qu'on m'entend ? Oui, j'ai une voix sourde et je suis un peu enrhumé, mais vous m'entendez comme ça ? Ok. Merci Henri, merci à Tiffany aussi et merci à toute l'équipe de venir à Watermal-Boisfort. Bon, Watermal-Boisfort, c'est ma commune depuis plus de 30 ans. C'est une commune qui n'est pas associée à la diversité dans son image. C'est plutôt une commune calme, bourgeoise, verte. Mais il ne faut pas se tromper, la diversité existe partout. Il y a des quartiers très variés, il y a des logements sociaux, il y a des quartiers plus de classe moyenne, il y a toutes sortes d'endroits. Et les gens de toutes origines habitent partout, s'investissent partout. Donc le fait que pour les 5 ans des apéros de la diversité, Henri ait choisi de venir à Watermal-Boisfort, je trouve que c'est un signe très intéressant parce que ça veut montrer que la diversité, elle existe un peu partout. Elle existe dans les endroits où on a l'habitude de la voir, mais elle existe aussi à d'autres endroits. Et je pense que pour l'avenir, le fait de venir dans des endroits où les gens ne sont pas assez mis en valeur alors qu'ils existent, c'est une très belle initiative et je le remercie encore. Merci infiniment, Michel, pour ce mot. Merci de nous accueillir sur le territoire de Watermal-Boisfort. On va poursuivre avec vraiment des mots très brefs de la part des politiques qui nous font l'honneur d'être présents ici, un bel échantillon représentatif. Alors, je vais à présent inviter une femme de cœur et d'engagement. J'insiste, elle n'est pas la seule évidemment, mais j'insiste très particulièrement parce qu'elle a eu, eh bien, tout simplement, cette volonté affichée de s'impliquer elle aussi dans la promotion de la diversité en sa qualité d'échevine à l'égalité des chances. Merci d'accueillir Lydia Moutier-Bellet. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci Henri de nous accueillir à Boisfort et de nous permettre de découvrir ce bel endroit. Ben, avant de commencer, je veux saluer, si je suis politique, je dis toujours, chaque enfant a un père. Et moi, j'ai un père en politique, c'est Bertin Mampaka. Donc si aujourd'hui, vous pouvez dire que je suis échevine, c'est parce que quand j'avais 22 ans, j'ai fait campagne avec lui. Et après, quand j'avais 24 ou 25 ans, donc Andrea, j'ai commencé avant toi. On se dispute souvent avec Andrea. Donc, je le salue parce que c'est mon père en politique. C'est juste pour vous dire qu'on n'est plus dans les mêmes familles, mais les valeurs de la diversité, c'est le droit d'aîné, c'est la paternité. Je salue aussi Papa Pierre Compagny. Et je salue également tous les mandataires qui sont présents ici. Et la joie des apéros de la diversité, c'est parce que ça nous réunit, de toutes les familles politiques, parce qu'on a un intérêt, un avantage en commun. C'est vous,
C'est vous qui votez pour nous et grâce à vous, on est mandataire politique. J'ai vu aussi ma camarade Cécile Vincel qui est là quelque part. J'ai vu aussi mon camarade Jean-Luc Pouléo qui est là quelque part. Je ne peux pas saluer tout le monde, mais vous savez que je vous porte toutes et tous dans mon cœur. Je vois aussi beaucoup de personnes du secteur associatif qui travaillent et qui militent. On continuera toujours à vous accompagner, quoi qu'il arrive, parce que l'associatif fait notre force. Et encore bravo aux équipes des apéros pour ce beau 5e anniversaire. Belle soirée à toutes et à tous. Merci infiniment, Lydia. Merci. L'occasion pour moi, évidemment, de pouvoir accueillir celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci d'être présents ce soir à l'occasion du 5e anniversaire des apéros de la diversité. Nous venons d'écouter avec beaucoup d'attention nos deux premiers intervenants. Je vais inviter une autre femme de cœur et d'engagement. Elle participe aux apéros depuis 5 ans. Depuis le premier jour, elle y a cru. Elle est là parmi nous. Elle va intervenir en sa qualité de députée régionale bruxelloise. Merci d'accueillir Latifa Aït Bala. Merci Henri. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien oui, mon nom est Latifa Aït Bala. Je suis députée à la région Bruxelles-Capitale. Et je voudrais vraiment remercier Henri, que je connais évidemment depuis fort longtemps, bien avant le lancement de ces apéros de la diversité avec lesquels j'ai notamment cofondé l'ADN il y a déjà au moins plus de 10 ans. Voilà, mais donc, lorsque j'ai reçu cette invitation de Henri, je me suis dit, tiens, c'est curieux, Henri fait ça le 9 mai. Le 9 mai qui est aussi la journée de l'Europe. Et je me suis permise de faire une élucubration d'esprit en me disant, qu'est-ce qui caractérise au fond l'Union européenne aujourd'hui, si ce n'est fondamentalement le fait qu'on a aujourd'hui 27 pays qui sont unis par leur diversité. C'est leur leitmotiv, et c'est ce leitmotiv qui aujourd'hui, et qui a toujours été dès la déclaration de Schuman en 1950, qui est effectivement la force de frappe, je dirais, de l'Union européenne, et qui doit aussi nous faire réfléchir par rapport au fond, à nos identités multiples, qui au sein de l'Union européenne sont considérées comme étant des identités qui sont positives, et dès que l'on parle de personnes issues des diasporas outre-Méditerranée, eh bien là, cette diversité n'a plus la même connotation. Et je crois qu'on doit évidemment y réfléchir pour se dire que, grâce au fond à des rencontres comme celles qu'organise Henri, et pour lesquelles j'ai énormément de plaisir, parce qu'à chaque fois, à chaque fois, il me fait découvrir des pépites de la diversité. Et à chaque fois, je me dis, mais ce n'est pas possible. On a autant de potentiel dans cette diversité. Mais malheureusement, je crois que nous pêchons par un manque de communication. Il n'y a pas suffisamment de visibilité de cette, finalement, population qui aujourd'hui est invisibilisée et qui pourtant participe dans toute une série de secteurs à la richesse à la fois de nos pays de résidence, qui sont aussi nos pays, la Belgique, mais aussi à nos pays d'origine. Et je crois que c'est important de souligner aussi le poids de cette diversité économique, culturelle, etc., aussi par rapport à ces pays d'origine. Et d'ailleurs, avec Bertha Mampaka, on ne manque pas l'occasion, à chaque fois qu'on en a évidemment l'occasion au niveau du Parlement bruxellois, mais pas seulement, c'est de rappeler aussi la force de cette diversité et également de rappeler qu'elle doit absolument figurer dans l'ensemble des accords de coopération, parce que c'est aussi comme cela que nous pourrons avoir cette diversité qui pourra aussi, et qui participe d'ailleurs au quotidien, à l'évolution sur toute une série de problématiques aussi des pays d'origine. Moi, je ne vais pas rester plus longtemps, pas prendre peut-être la parole plus longtemps, mais juste peut-être vous dire quelles sont fondamentalement les raisons qui m'animent politiquement et qui, au fond, font référence à ce que je suis. Les questions d'égalité des chances, parce que moi-même, je suis aussi une femme qui parfois a aussi connu les discriminations, et ce sont évidemment des combats que je porte au quotidien, que ce soit au niveau politique, mais aussi sur le terrain associatif, parce que moi, j'ai commencé en réalité à faire de la politique, non pas au niveau de la région Bruxelles-Capitale, mais au niveau international, puisque j'ai aussi eu, à un moment donné de ma vie, été aux Nations Unies à Genève, j'ai travaillé au Parlement européen, et c'est depuis le Parlement européen à Bruxelles que je me suis intéressée à la politique bruxelloise, parce que je constatais justement que nous vivons dans une région qui est fracturée territorialement, fracturée économiquement, fracturée ethniquement aussi,
Et je me suis dit que nous avions aussi un devoir de participer à cet effort, je dirais, économique, culturel, etc., pour que nous puissions aussi faire changer ce regard que finalement la société porte par rapport à nos diversités. Voilà, j'en ai fait un de mes combats et c'est fondamental. Voilà, je vous remercie encore et je suis évidemment à votre disposition si vous avez des questions. Merci infiniment, Latifa. Vous l'aurez compris, la diversité est au cœur de nos préoccupations. Elle n'est pas seulement, je l'ai évoqué tout à l'heure, philosophique, culturelle, confessionnelle ou politique. C'est véritablement un état d'esprit lorsque vous utilisez le vivre ensemble comme moteur, comme ciment dans une société qui se veut certes diverse, plurielle et variée. Eh bien, le vivre ensemble permet de connecter toutes ces énergies différentes qui convergent vers un seul et même objectif, je l'ai dit, le vivre ensemble. À présent, j'invite un autre acteur politique qui, lui aussi, depuis le début, a cru en nous. Il nous a également accompagnés par ses conseils. J'invite donc sous vos acclamations M. Pierre Compagnie. Merci Henri. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Merci. Henri, c'est de toi que je vais parler un peu. Henri, j'entends la voix de Washington. J'entends ta voix. Et puis, un jour, le M6, tu es au Maroc. C'est toi qui réponds sur les questions de Gaza. Ça venait de s'allumer. Et puis, je te vois au Congo. Le stade est plein. C'est ta voix qui porte, qui annonce le président. Voilà, Henri. Il y a beaucoup de choses comme ça que je peux citer sur toi qui font que depuis que tu as commencé, depuis que je te connais, j'ai une certaine admiration pour ce que tu fais et l'évolution de ce que tu fais. Alors, quant à la politique, ici suis-je accompagné des jeunes que tu reconnaîtras, Saïd, Odilo, Marcus et Néhémie. C'est le plateau le plus large de la diversité qui est présenté par un parti politique. Parce qu'il faut dire un mot de la politique. Ma présence dans un parti fait que, aujourd'hui, on peut parler d'une femme subsaharienne. Première femme ici en Belgique, vice-présidente d'un mouvement politique. Ça viendra par la suite. Toutes ces jeunes filles que je vois ici, elles seront même présidentes des partis. Il n'y a pas de souci, mais il fallait un début. Ce début, j'y ai participé. Alors, un petit conseil, c'est le fait qu'un jour, j'ai été aussi bourgmestre. On a annoncé un peu partout le premier bourgmestre noir en Belgique. Il y avait de bonnes raisons. Le Japon est venu jusque dans mon bureau me remettre un prix. La télévision japonaise. C'est allé même loin, la Mongolie a fait un reportage. Alors, quant à ce qui s'est passé aux États-Unis ou en Angleterre, en Italie et ailleurs, ça n'a aucune importance parce que ce sont des pays qui nous connaissent. Plus de 44 reportages dans le monde pour celui qu'on a dit, le bourgmestre noir. Je crois que si je le dis aujourd'hui, c'est pour tous nos jeunes qui sont ici. C'est pour tous nos jeunes. Toi, tu vas les guider avec tes apéros et d'autres choses qui viendront encore. Tes soutiens, demain, eux, ils n'auront pas peur. Ils seront meilleurs. Alors, je crois que si je devais continuer, je parlerai
toute la journée et toute la nuit, mais j'ai beaucoup d'appréciation pour tout ce que tu fais et continue. On entend ta voix un peu partout. Merci. Merci infiniment, Papa Pierre. Comme je l'appelle affectueusement, je vais inviter une autre femme de cœur et d'engagement. Elle se reconnaîtra, blonde platine, sympathique. Mais elle est venue, elle est bien là. Merci d'accueillir Attis Cass, s'il vous plaît. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci Henri pour cette mise en lumière par rapport aux apéros de la diversité. Je suis une adepte depuis très longtemps de ce lien, de ce trait d'union, de ce partage, issue des communautés, bien évidemment. Issue d'une communauté qui a traversé des guerres, avec une maman qui est née orpheline. Aujourd'hui, l'actualité nous rappelle malheureusement ce combat au quotidien qui fait que chaque sang qui coule nous amène une responsabilité politique dans notre engagement citoyen. Alors, pendant longtemps, j'ai œuvré, j'ai manœuvré derrière les décors en croyant sur la cause de l'humanité. C'est quelque chose qui me tient aux tripes. Je ne rentre pas en politique par le hasard, je rentre en politique par la grande porte, puisqu'on vient me chercher, issu des communautés, avec une condition, pas deux, liberté d'expression. Liberté à tous les niveaux, liberté dans mon engagement propre, dans mes convictions, liberté dans les échanges à travers l'humain, à travers ce qu'il représente, et puis cette liberté aujourd'hui qui nous coûte cher en 2024, pour lequel l'histoire se répète malheureusement. Aujourd'hui, mon cœur saigne, mon cœur pleure, parce que, en tant que femme, en tant que mère, issue des diversités, mon engagement, il n'est pas personnel, il est collectif. C'est pour ça que depuis, on va dire 2 semaines et demie à peu près, 3 semaines, on est venu me chercher, comme on l'a fait il y a quelques années auparavant, pour représenter un mouvement. Ce mouvement, c'est le collectif citoyen. Alors, je ne vous demanderai pas, par respect pour toute la diversité aujourd'hui qui représente Bruxelles à travers cette image, moi je vous encourage juste sur une chose. Fondamentalement, c'est de faire le lien avec nos ressources, nos capacités, nos compétences et de les mettre en œuvre pour toutes les communautés, s'il vous plaît. Il n'y a pas une communauté de grâce, je vous l'implore ce soir. Je n'ai pas besoin, à travers qui je suis, cette femme que je représente dans les communautés, de faire l'éloge. Mais j'ai besoin, à un moment donné, de pouvoir croire en l'humain, parce que c'est à travers cet acte qu'on va pouvoir un jour, à un moment donné, déterminer notre liberté de pouvoir tous vivre les uns avec les autres et pas les uns contre les autres. Je vous souhaite une excellente soirée. Et cher Henri, tu deviendras un ami pour moi. Voilà. L'amitié, c'est quelque chose qui ne se négocie pas, c'est quelque chose qui se vit dans ses tripes. Je ne vais pas prendre longtemps, parce que je suis habituée dans l'autre partie où j'étais, de prendre beaucoup de temps pour développer les choses en tant que pédagogue de formation, entre autres. Mais je te souhaite de tout mon cœur, et mon cœur est sacré parce que vos chers, je te souhaite de poursuivre ce lien et de le développer, de l'agrandir avec toute cette diversité qui nous caractérise. Bruxelles, c'est plus de 170 communautés qui se brassent. Pierre, je t'embrasse. C'est plus de 170 communautés. Au départ et in fine à la fin, dans chaque être humain à travers nous, le sang est rouge. Et ce sang, il doit être perduré dans l'espace-temps, parce que derrière nous, nous avons des enfants. Et nous sommes quelque part la lumière de l'espoir de ces enfants, sans regarder au niveau géopolitique notre ancrage. Je vous souhaite une excellente soirée et vive les apéros de la diversité et vive Bruxelles et bonne continuation à tout le monde. Et surtout, excellente campagne. Œuvrons et manœuvrons pour Bruxelles, tous ensemble, s'il vous plaît. Merci. Merci infiniment, Attis. Je vais inviter notre dernier intervenant avant de passer le relais à Tiffany, que je ne vois pas. Tiffany, où es-tu? Elle est là, magnifique. Je l'appelle affectueusement mon grand frère de cœur, grand frère d'engagement. Ses précieux conseils m'ont aussi guidé dans mes choix. J'aimerais que vous fassiez une ovation pour M. Bertamin Pacquart. Pour dire la vérité, Henri s'appelle Nzouzi
Et avant Catherine Bombanzouzi, avant le père d'Henri qui m'aimait bien, il y a eu Emmanuel Nzouzi, qui était le patron de mon père, Mampaka Joseph Diallo, président de la jeunesse mumbiste à Léopoldville, qui fut exilé au Maroc, en Guinée, Conakry, Égypte, tout ça. C'est pour ça que je m'appelle aussi Diallo quelque part. Donc voilà le petit lien familial, affectueux, affectif qui existe entre Henri et moi. Comme ça, vous le savez. N'allez pas me critiquer, ne venez pas le critiquer, je vais tout lui répéter. Voilà. Alors, Henri, aujourd'hui, c'est ta fête 5 ans, comme disait ta collègue, collaboratrice aujourd'hui. 5 ans, c'est un âge important. Tu fais ce que nous n'avons pas pu faire, se faire réunir les gens. Nous sommes quelques candidats réunis ici, dans cette pièce, comme nous n'avons pas souvent l'occasion de nous réunir. Il nous manque un endroit, pas pour les politiciens, pour l'élite, pour le cadre, de pouvoir se rencontrer. Latifa ou quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il faut absolument qu'il y ait des jeunes qui puissent un jour venir seconder, aider à ce que tu ne puisses pas partir de Kinshasa, revenir pour des rendez-vous, te décarcasser comme tu te décarcasses, mais qu'il y ait autour de toi une structure pour que nous puissions pérenniser ces lieux, ces rencontres que tu incarnes. Tu es le plus jeune d'entre nous, je suis de très loin, très âgé par rapport à Henri, mais c'est le jeune qui nous réunit. Kofi Olomide dit, moi n'a moqué à Beta Kambunda, le jeune peut jouer au tam-tam, Bakolope et Babinaka. Logiquement, c'est à nous les aînés de pouvoir vous réunir dans un climat de sérénité. Henri, rien que pour ça, je vais demander des vrais applaudissements à Henri Désiré Nzouzi. Avec son complice Royen Moulenga, qui aurait pu être des redoutables candidats en politique et valablement représenter la communauté subsaharienne dans cette ville et dans ce pays, et qui ont choisi de faire avancer la diversité dans des secteurs différents. J'ai beaucoup de respect, car Lourien, quand je l'ai vu le premier jour, il m'a dit « je prends ta place ». J'ai dit « petit frère, tu dois te battre ». Bon, et puis il a changé de route. Et alors, chers collègues, chers amis, ce soir, merci Henri, en pleine campagne, j'essaierai d'être aussi court que Pierre et surtout mon élève qui me dépasse, Madame Lydia Mouchebele, dont je me souviens le premier discours, n'est-ce pas, où elle avait transpiré de tout son corps, et quand je vois, elle est arrivée ici, bref, concise, moi je ne sais toujours pas faire tout ça. Elle ne m'en voulait pas, mais je ferai le plus court que je peux. La diversité dans cette ville est un défi. Quelqu'un a parlé de Dubaï comme ville de diversité et que Bruxelles comme étant la deuxième ville. Chers amis, et Latifa le disait tout à l'heure, ce n'est pas normal que Bruxelles ou la région, ou la Belgique, ait 96 agents économiques et commerciaux à l'étranger, qu'il n'y ait pas ni des beurs, ni des noirs, ni des blancs, de toutes sortes. Le combat est long. Ne séparez pas la diversité, le combat de la diversité avec celui de la politique. Je suis professeur d'économie dans une autre école. J'ai donné 12 heures de cours. J'avais du temps pour m'ennuyer énormément. Et c'est comme ça que je me suis lancé en politique. Je me suis dit, je vais en faire quelque chose. Et quand j'ai dit à mes grands frères kassaïens, dans une rue à Matongé, que j'allais être leur premier député noir, il y en a un qui s'appelle Kayembe, un autre qui s'appelle Kabong. Kayembe appelait Kabong. Kabong, Kabong, Koumoune, viens voir, viens écouter. Le prochain député noir congolais, le voilà. Ils se sont moqués de moi et j'en ai gardé un souvenir jusqu'à aujourd'hui. Passer à Matongé, regardez dans cette salle le nombre de candidats qu'il y a aujourd'hui. Henri, je pense que la diversité doit utiliser ce bras politique pour que nous soyons représentés. Pierre parle d'une jeune femme qui est vice-présidente d'un parti. Aujourd'hui, tous ces candidats qui sont passés, personne, ils ont été très timides et très, très objectifs. Lydia n'a pas dit qu'elle était candidate. Voilà, qu'elle était candidate troisième à la Chambre. Pierre n'a pas dit qu'il était deuxième. Et Latifa n'a pas dit qu'elle était candidate. Alors, moi, je vais quand même essayer de vous dire que ce soir, je suis venu pour essayer de faire aussi bien que les autres partis. Au MR, il n'y avait pas de diversité. J'y suis rentré avec un train de candidats redoutables. La première, bien sûr, Lydia Mouchebele, la cité, Sandrea Kaloubi. Pour être honnête, c'est la fille de mon copain qui est cachée quelque part là. Albert, tu es là? Il ne vient pas. Ouais, oui, mais voilà, mon frère, ami d'enfance. Et je termine et je conclue Henri en disant, il y a Bomboko qui m'accompagne, il y a Lutambi Jean-Claude qui m'accompagne, il y a Mukulumani qui m'accompagne, il y a la Shadaï Mobutu, ah, tu es là, la petite fille du maréchal, qui m'accompagne.
pour que nous allions, Henri, créer de la diversité dans un parti qui n'avait pas la réputation d'être très ouvert par rapport à la diversité. Ton travail paye, votre travail paye, et réunissons-nous le plus souvent possible pour que dans les endroits où nous sommes encore exclus, où il y a ces plafonds de verre, nous puissions absolument les casser. Et je pense que 5 ans, bon anniversaire, et merci pour tout le travail que tu fais, et continue, nous avons besoin de toi pour nous ressembler. Merci. Merci infiniment. Alors, mesdames, venez. On va prendre la photo. Venez, 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 venez. Bertin, Papa Pierre, Michel, où es-tu? Michel Koutindakana, il est bien là, viens, viens, viens. J'ai oublié, Monsieur Bomboko. Bomboko, c'est ça, je t'ai cité? Oh, il a cité. Alors, on se met en position. Ah oui. Eh bien, on peut les réapplaudir, s'il vous plaît. Bonne campagne à vous. Alors, mais finalement, il me revient l'honneur de poursuivre cette rencontre. Finalement, vous êtes tous mes aînés, en fait, hein, et vous êtes un bel exemple pour moi, et j'en suis vraiment très fière, donc merci. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que les politiques, avant d'être en politique, ils sont également investis de manière citoyenne, comme chacun d'entre nous, en fait. Et donc, je voudrais quand même appeler certaines personnes à venir se présenter, parce que dans la diversité, c'est aussi pouvoir collaborer ensemble, pouvoir travailler ensemble. Mais pour pouvoir le faire, il faut savoir se connaître, connaître les uns les autres. C'est pas moi. Donc, connaître les uns et les autres, leur savoir-faire et ce qu'ils peuvent défendre. Donc, j'appelle en premier Jean-Luc Muléo, qui est président de la piscine communale Triton et de l'agence immobilière sociale des Verts. Il est également initiateur de l'ASBL Jeunesse et Espoir, qui a pour objet d'accompagner les jeunes ayant eu un parcours délinquant. Je te laisse la parole. On peut l'applaudir. Mais donc voilà, je me présente, Jean-Luc Muléo, j'ai 34 ans, je suis conseiller communal à Evert. Je viens aujourd'hui, en tout cas, remercier déjà Henri pour l'invitation qu'il m'a offerte. Et je veux dire un truc hyper important. Je ne serai pas très long. La diversité, si on veut qu'elle se maintienne à Bruxelles, il faut voter juste. Demain, le 9 juin, des partis d'extrême vont monter au pouvoir. Les sondages sont très clairs. Le Vlaams Belang et la NVA feront un score demain qualifié d'honteux. La diversité sera mise à terre. Et donc, je vous le dis aujourd'hui, le 10 juin, il sera trop tard. Votons juste. Je ne vais pas faire le pari de mon propre parti, mais en tout cas, je vous dis, si vous n'avez pas d'affinité, en tout cas avec le PS, votez en tout cas des partis démocratiques qui vous représenteront. Les programmes sont à disposition de tout le monde. Votez juste. Et encore merci, Henri, pour tout ce que tu fais. S'il y a d'autres questions, nous serons dans la salle, tous les candidats, qu'on respecte tous, pour pouvoir discuter. Merci beaucoup. C'est gentil, mais on voulait que tu nous expliques un peu le côté associatif, en fait. Ben, en tout cas, si je peux revenir sur mon côté associatif, donc moi, j'ai grandi dans une cité sociale, dans les sociétés de logement des Verts à Germinal. Et donc, sur notre quartier, on connut donc, des bandes urbaines, à l'époque, il y a 10, 15 ans de ça, où des jeunes noirs s'affrontaient, se tuaient, je veux dire, pour des questions de regard ou des questions de « t'as couché avec ma meuf », etc. Et donc, ayant pris un peu d'âge, à l'âge de 22 ans, 23 ans, avec des amis d'enfance, on a décidé de créer une ASBL pour justement aider les jeunes à sortir de ces genres de rivalité. Et donc, nous avons fait plusieurs partenariats avec des jeunes de Saint-Josse, des jeunes de Matongué et des jeunes d'Andorlette, où nous nous sommes réunis et nous avons été voir nos petits frères. Et on a essayé un peu de leur montrer que la violence ne va rien arranger. En fait, on ne fait se tuer qu'entre nous. Et donc, voilà, je vous parle vraiment d'une époque où au jour d'aujourd'hui, on dit Bruxelles, c'est chaud, les jeunes se tirent dessus pour du trafic de cannabis et de drogue. Mais à l'époque, on se tuait pour des regards. Et il y avait, on ne va pas hiérarchiser les violences, mais c'était vraiment très dommage. Et donc, j'ai créé cette SBL qui lutte avec ça, avec d'autres SBL comme Change,
et plein d'autres. Et donc, je fais un petit clin d'œil à Pierre Compagnie, car j'ai perdu un ami dans la rue qui s'est fait assassiner par une bande urbaine, et je me rappelle que tu es le premier politique à venir, je veux dire, porter tes condoléances à mon ami d'enfance. C'était à 15 ans de ça, et c'est un souvenir qui est mémorable en tout cas dans ma vie. Voilà, merci beaucoup. Merci bien. Alors, une deuxième personne que j'invite à prendre la parole, c'est Sophie O'Haraud, désolée pour la prononciation du... Ah, c'est parfait, tant mieux, qui est cofondatrice et directrice de Maison Baccarat. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas qui vient du plus loin. Je viens de l'île de la Réunion. Je ne sais pas si vous voyez où ça se situe sur la carte. Donc, Maurice, voilà. Donc, ça fait 18 ans que je suis en Belgique. J'ai fait mes études d'infirmière et après quelques temps, je me rends compte, surtout après 4 enfants, seule en Belgique et avec mon mari, que c'est un peu compliqué. Donc, je me suis ouverte à l'entrepreneuriat. Et par rapport à ça, donc, j'ai commencé à voguer, à naviguer dans les cercles d'affaires traditionnels ou féminins, peu importe. Ils étaient à certains moments de très, très haut vol et c'était juste magnifique. Seulement, ça ne répondait pas à ce que je recherchais. Donc, je ne sais pas s'il y a des CEO dans la salle, s'il y a des personnes qui sont à la recherche d'augmenter leur nombre de clients ou tout simplement de pouvoir avoir des relations plus sereines après avoir des contacts, c'est-à-dire avoir des avis et des connexions sincères par la suite, une fois qu'elles sont prises. Tout simplement, voilà, je ne trouvais pas chaussures à mon pied, alors j'ai décidé de créer Maison Baccarat qui répond à ces questions, qui réunit à la fois les femmes CEO, les femmes du monde politique, mais aussi les femmes décisionnaires du grand corpo. Il y a différents événements qui sont organisés dans l'année. Il y a aussi différentes personnes qui sont présentes. Donc, au niveau du monde politique, il y a déjà eu David Clarinval, Valérie Debut. Je suis apolitique, je précise. Et donc, tout le monde est le bienvenu. Et par rapport à ça, il y a aussi donc, des grandes corpos. Donc, il y a aussi les grandes marques comme Deleuze ou des Clarins qui sont venus déjà et avec qui nous avons déjà fait des partenariats. Il y a aussi donc, des chefs d'entreprises féminines qui sont déjà venus de toute taille. Alors, si vous aussi, vous avez des questions ou envie de découvrir ce qu'est Maison Baccarat, je vous invite à parler. Je vois qu'il y a des membres de la communauté Baccarat ici ce soir à Alpha et à Pascasi, je ne sais pas, Pascasi, qui pourront vous en dire un peu plus sur Maison Baccarat. En tout cas, voilà, on grandit et à chaque fois que les événements se passent, il y a une chose qui est concrète, c'est une mise en relation ciblée des participantes, tout simplement. Et avec ça, il y a beaucoup de joie, de partage qui se passe au sein de Maison Baccarat. Donc, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn Maison Baccarat ou sur Instagram, pour ceux qui le souhaitent, La Maison Baccarat. Donc, n'hésitez pas à venir poser des questions. Donc, Maison Baccarat, aux côtés des entrepreneurs, aux côtés des marques. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas eu l'occasion de me le présenter, donc je ne suis pas sûre qu'il soit là. Docteur Dadi Lumbumbu, est-ce qu'il est là? Oui. Alors, donc, il est médecin spécialiste en sciences de la santé publique à l'UCL, président de l'ASBL Vitrine Belgo-Congolaise Plus, expert en santé publique au sein de Solidarité Protestante, ONG belge, qui finance des projets dans plusieurs pays d'Afrique. Bienvenue à vous. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci pour la parole. J'aimerais avant tout remercier M. Henri-Désiré Nzouzi pour cet honneur qu'il m'a fait, ensemble avec l'équipe des VBC qui m'accompagne, d'être parmi les invités de cet anniversaire, cinquième anniversaire, des apéros de la diversité. Est-ce qu'on peut applaudir pour M. Henri, s'il vous plaît? Voilà. Un grand monsieur qui est tout le temps entre deux avions, Papa Pierre l'a dit, on le voit le lundi aux États-Unis, le mardi en France sur une chaîne, un plateau télé, mais d'une simplicité anesthésiante, je vous dis,
Et ça, j'apprécie beaucoup. Et donc, moi, je suis Dadi Lumbungu, donc initiateur de l'association Vitrine Belgo-Congolaise Plus, en sigle VBC Plus. C'est Inès Bell qui met en valeur, un peu, vous voyez, comme la vitrine, c'est quelque chose où on met des objets de valeur. Donc, nous nous présentons comme une vitrine pour mettre en valeur les personnalités, les idées, les actions, les œuvres de personnalités d'origine congolaise, mais aussi de la diversité, afin de rehausser le niveau d'ambition de plus jeunes, créer des modèles, avoir des personnes chez qui la jeune génération peut s'inspirer. Et à côté de cela, nous avons un autre levier, nous faisons de l'accompagnement, dans trois pôles précisément, pôle santé, pôle social et pôle juridique. Dans la santé, nous faisons de la promotion de la santé, tout ce qui est sensibilisation, tout ce qui est prévention. Dans l'accompagnement juridique, nous sommes aux côtés des personnes qui ont des soucis, qui traversent un parcours difficile en Belgique, qui ont des problèmes et dont nous orientons. Et dans le volet social, ben, nous allons auprès de personnes vulnérables. Nous avons récemment fait une descente à la gare du Midi auprès des sans-abri pour des vêtements et des repas chauds. En gros, voilà un peu ce que nous faisons. Et je suis très heureux d'être là vraiment et je souhaite vraiment un bon avenir encore pour cet événement des apéros de la diversité. Merci. Merci beaucoup. Alors, une autre dame de cœur, c'est Cécile Vincel, qui est directrice d'administration de la culture, de la jeunesse, du sport et du tourisme social à la COCOF. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Tiffany. Je suis vraiment très contente d'être ici avec vous pour souffler sur la cinquième bougie des apéros de la diversité. Henri, mon témoin, je pense que je n'ai manqué quasiment aucune édition depuis le début. Pour une raison toute simple, en fait, c'est que je crois profondément au concept des apéros de la diversité. Et à ce propos, je voudrais dire un mot de son fondateur, Henri Nzouzi. Henri, indépendamment d'être un fabuleux MC, Master of Ceremony, Henri s'est donné pour vocation, pour mission, de mettre en rapport des hommes et des femmes, issus de tous bords, de toutes origines, mais principalement la diversité, qui font... Vous pouvez revenir. Hein. Ah, ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Attendez. D'accord, merci. Parce que vu le nombre de politiques ici, franchement, vous auriez un article de presse demain. Hein.
Bon, est-ce qu'on peut reprendre, être attentif? Je veux bien entendre vos encouragements, s'il vous plaît, parce que c'est pas facile de reprendre après ça. Ok, super. On a encore des gens dehors qui sont... Allez, on réapplaudit Cécile, s'il vous plaît. Ça, c'est un peu faiblard, hein, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, voilà. Mais donc, je vous disais que j'étais une des femmes de la première heure des apéros de la diversité et que je voulais donc vous dire un petit mot de son fondateur, Henri Nzuzi, qui, en plus d'être un grand MC, Master of Ceremony, était aussi quelqu'un qui s'est donné pour mission, pour vocation, de mettre en rapport des hommes et des femmes, issus de tous bords, de toutes origines, mais principalement issus de la diversité, qui font bouger Bruxelles, mais pas seulement, qui font aussi rayonner la scène internationale grâce à leur talent, leur créativité et aussi leur vision entrepreneuriale. Mais Henri le sait mieux que personne. Celui qui veut changer le monde, mais qui ne dispose pas d'un réseau puissant pour y parvenir, celui-là voit malheureusement son projet voué à l'échec. Et c'est tout l'intérêt des apéros de la diversité, justement, c'est de permettre à tous ces hommes et ces femmes de se connecter, de créer des réseaux, parce que c'est eux qui font la prospérité de leur région, de leur pays, de leur ville, sur le plan politique, économique, social et culturel. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai juste envie de vous dire à tous un grand bravo, bravo à Henri Nzuzi, bravo à toute l'équipe, mais bravo à vous tous, les hommes et les femmes qui d'une façon ou d'une autre s'engagent pour la collectivité, parce que c'est ensemble et ensemble seulement qu'on va réussir Bruxelles et faire de ce monde un monde meilleur. Un grand merci. Merci Cécile. Franchement, je suis touchée et je trouve que ça montre vraiment le portrait d'Henri et de ce qu'il essaye de faire avec les apéros de la diversité en vous rassemblant tous et toutes. Alors, je vais poursuivre les interventions de ce soir avec Christian Nsiona, qui est président des African Professional ASBL. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Les applaudissements deviennent de plus en plus faibles, hein, quand même. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, je ne suis pas tout seul aujourd'hui. J'aimerais quand même parler d'un sujet qui me touche à cœur et qui touche sûrement beaucoup d'entre vous aujourd'hui. Mais évidemment, un peu comme tout le monde, j'aimerais d'abord remercier Henri Désiré Nzuzi pour nous réunir ici aujourd'hui, mais pas uniquement. Aussi, je ne suis pas tout seul. Il y a également Alexandra Nganga. Et je vais vous dire pourquoi elle est là, en fait. Voilà. Clairement, je présente en quelques mots le concept des AP. Qui a déjà entendu parler des AP dans la salle? Ouais, quelques personnes. Ben voilà, donc il y a encore du boulot. Alors, il y a 5 ans, avec quelques personnes, on a pensé, en fait, à créer un réseau qui va mettre en avant les personnes d'origine africaine. Et pourquoi? Pour justement le networking, le mentoring, parce qu'on se retrouve qu'on est souvent isolé, on commence un business et on est chacun dans son coin et on ne connaît pas suffisamment de personnes. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas mettre en commun justement toutes ces personnes afin de pouvoir émerger au sein de la communauté africaine ici en Belgique. Et en fait, ça existe depuis 5 ans maintenant, le 25 juin 2019, et du coup, les AP sont présents dans 2 continents et 4 pays. L'Europe, l'Afrique, la Belgique, la République démocratique du Congo, la France et le Royaume-Uni. Et justement, ça fait 5 ans, en 5 ans, on a organisé déjà 17 événements. 17. Et j'aimerais justement qu'Alexandra, qui est membre des AP, responsable du département opération, dise en quelques mots, le 30 mars 2024, on a organisé un business speed dating, parce que les AP, on veut innover. Et Alexandra, tu peux nous dire quelques mots rapidement par rapport au business speed dating qu'on a pu organiser. Ok. Donc oui, on a organisé un événement le 30 mars dernier, un business speed dating. Le principe de l'événement, c'était de faire en sorte que déjà nos membres puissent se rencontrer, qu'ils puissent partager ce qu'ils font avec d'autres membres, avec l'objectif de perfectionner l'art de pitcher, et aussi l'objectif de créer toujours des affaires entre les membres, mais aussi avec des non-membres, puisque l'événement était aussi ouvert
à des personnes qui n'étaient pas encore membres des AP. Et en général, dans ce genre de moment, il y a toujours des opportunités et des nouveaux membres qui nous rejoignent, puisqu'ils voient que vraiment les AP, c'est d'abord une aventure humaine. C'est un événement qui s'est vraiment très, très bien passé, avec une diversité de corps de métier et toujours des personnes qui ressortaient de là satisfaites de ce qu'ils ont pu accomplir. Donc c'est une aventure humaine, une aventure professionnelle, une promesse de créer des affaires et de voir que les AP, c'est un réseau vraiment différent où l'excellence est vraiment la solidarité aussi et la visibilité de notre communauté sont nos priorités. Voilà. Merci Alexandra, on peut l'applaudir. Et je me présente, je m'appelle Christian Siona, je suis entrepreneur originaire de la République démocratique du Congo. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de rencontrer chacun d'entre vous, de dire ce que je fais, mais surtout le plus important, de connaître ce que vous faites. Afin que vous puissiez rejoindre les AP, et si vous êtes une association, qu'on puisse collaborer ensemble pour mettre en avant les personnes d'origine africaine, et pas uniquement, et d'autres aussi. Alors, je terminerai par dire que l'année dernière, il y a un an jour pour jour, on s'est retrouvés à Kinshasa pour organiser un voyage d'affaires et Henri-Désiré Nzuzi avait accepté d'être notre maître de cérémonie. Et c'était génial parce qu'on a réuni 9 entrepreneurs pour partir découvrir un petit peu le Congo et ce n'était pas uniquement des Congolais. Alors, les prochains événements qu'on a, le 21 juin, on a un événement, Afropulse. Le 14 septembre, j'invite tout le monde à participer. On va célébrer les 5 ans des AP. On va organiser un gala le 14 septembre. Et enfin, le 16 novembre, on va lancer les AP officiellement au Royaume-Uni. Donc, on va aller en Angleterre pour nous connecter au monde anglophone. Voilà, je vous remercie. Et surtout, je remercie Henri parce que c'est notre deuxième collaboration ensemble. Et j'espère qu'on pourra faire la troisième collaboration au mois de septembre. Je vous remercie et vous souhaite une très, très bonne soirée. Merci. Merci bien. Le cas échéant, je me rends disponible aussi. Hein. Je regardais mon agenda. Alors, la personne suivante, c'est Sylvie Becker. Est-ce qu'elle était là? Oui. Merci Sylvie. Alors, je vous la présente un peu. Elle est CEO de Becker Consulting et Academy, Creating Next Africa. On t'écoute Sylvie. Merci, bonjour à tous, bonjour mesdames, messieurs, distingués invités, bonjour Henri et merci infiniment pour ton invitation. Donc non seulement je suis ici à Bruxelles aux apéros de la diversité, mais j'ai eu l'occasion aussi à Kinshasa d'assister donc à tes rencontres diplomatiques. Alors, l'Afrique, j'ai décidé d'y aller. Moi, j'ai fait ma carrière dans le domaine de la finance, donc aussi bien à Bruxelles qu'au Luxembourg, qu'à Genève, qu'également donc, aux États-Unis, à New York et Washington. Et à un certain moment, la paix de l'Afrique a été plus forte que tout. C'est là où j'ai décidé de... C'est mon fils Aurélien qui est à côté de moi. Il me suit. Bien, assis-toi. Alors, donc j'ai décidé... d'aller en Afrique. Je suis d'abord allée au Sénégal, donc là j'ai créé ma propre boîte et j'ai pu accompagner donc Colruyt pour qu'il puisse donc s'installer là-bas. À la suite de ça, j'ai donc eu l'occasion de retravailler dans le domaine bancaire. Ce qui m'intéressait par-dessus tout, c'était la finance digitale parce que je voyais qu'une grande partie de la population n'était pas en fait dans le monde économique. Et tout dernièrement, donc, j'ai remporté en fait un appel d'offres avec une banque panafricaine. Et là, c'était pour les accompagner pour pouvoir lancer leur banque privée. Et là, un nouvel univers, je dirais, s'est ouvert devant moi, puisque je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes fortunées en Afrique. Il faut le savoir, là où il y aura le plus de milliardaires, la plus grande croissance, dans les prochaines années, c'est en Afrique que ça va se faire. Ces dernières années, on a parlé de l'Asie. Mais maintenant, c'est en Afrique que ça se passe. Et on a besoin de tout. Alors, là, pour l'instant, j'ai une mission à Abidjan. Et chaque fois que je dis il y a 2500 milliardaires, les gens me disent, mais non, ce n'est pas possible, parce que les gens voient la pauvreté. Et à côté de cela, donc, ces personnes, évidemment, ont des besoins en services financiers, mais des besoins en tout, parce qu'ils doivent aller à l'extérieur pour aller les chercher. Donc, que ce soit dans le domaine de l'immobilier, des biens d'exception, que ce soit
Pour tout le reste, le luxe commence à apparaître en Afrique, il y a des grands noms qui commencent à apparaître, et d'ailleurs je les suis de très près, mais en dehors de ça, il y a évidemment la formation. L'Afrique, c'est 1,3 milliard d'habitants, 75% de la population a moins de 25 ans, elle est extrêmement jeune, elle est dynamique, mais elle a aussi besoin d'être formée pour pouvoir être un capital pour l'Afrique. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai aussi créé la partie académie pour pouvoir les accompagner. Mais également, il faut savoir que beaucoup de ces personnes fortunées n'ont pas fait des études et ont besoin aussi d'éducation financière. Mais même en dehors de l'éducation financière, j'étais étonnée, j'avais été à un repas. Il y avait un milliardaire qui était là, donc on parlait de code, etc. Et donc à la fin, il m'a pris de côté, il m'a dit « Madame Sylvie, vous savez, c'est vrai, j'ai fait fortune, je suis respectée ici, etc. Mais quand je vais à Dubaï, quand je vais à Paris, je me rends compte, dans les rencontres d'affaires, je n'ai pas toujours les codes et je ne les comprends pas. Donc j'aimerais bien que vous puissiez me former, votre prix sera le mien. » Donc là, j'ai compris en fait qu'il y avait des besoins dans toutes les couches de la population. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est le nouvel Eldorado. Et pour ceux qui sont dans la diaspora, parce que pour moi, c'est presque une mission, on peut partager nos expériences, on peut montrer qu'il y a d'autres modèles. Si vous regardez l'histoire de l'Afrique, ça a été une histoire qui a été très douloureuse. Il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation, etc. Mais aujourd'hui, la diaspora africaine, c'est vous. Et aujourd'hui, c'est une histoire de succès. Vous avez des champions africains, vous avez des sommités dans tous les domaines, dans le domaine de la médecine, dans la technologie de pointe, ils sont partout. Et ces personnes-là, aujourd'hui, peuvent aider l'Afrique. Et mon message, en fait, c'est ça. C'est faites ce point. Effectivement, vous êtes ici, il y a des choses à faire ici. Mais n'oubliez pas aussi d'où vous venez. Ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de tout, je peux le dire. Ils ont vraiment besoin de tout. Et c'est là que vous ferez aussi fortune, si c'est important pour vous. Voilà mon message. Je tenais à remercier Henri, que je suis partout, qui également, on a parlé de lui comme maître de cérémonie, mais c'est aussi un très grand journaliste, qui change aussi le narratif de l'Afrique, qui nous éclaire aussi, qui nous donne les vérités sur ce qui se passe. Et je tiens donc aussi à saluer son dévouement et aussi sa transparence vis-à-vis donc de toutes les histoires qu'il nous raconte. Merci à tous. Merci beaucoup. Et effectivement, je trouve que c'est un narratif qu'on manque ici en Europe, celui d'une Afrique qui a les moyens, qui a la possibilité de se développer encore, qui a des projets. Et merci beaucoup de nous le recentrer. Et je pense que vous avez tous et toutes des possibilités pour pouvoir recréer cette Afrique et pouvoir le transmettre en Europe. Alors, je vais appeler la personne suivante qui justement travaille dans ces éléments finalement de remettre une Afrique avec ses projets, avec ses financements. J'ai déjà pu présenter un de ces événements, c'est Esther Michel-Bindi qui est présidente du groupe Crédassure, experte en gestion des risques et en assurance, initiatrice du forum Crédassure, donc qui est axé sur les investissements, le financement et l'entrepreneuriat. Et donc elle est présidente de Crédassure Elite Business Club. Esther ? Voilà, je te laisse la parole. Merci encore, Henri, pour cette opportunité. Je vais commencer par souhaiter un joyeux anniversaire aux apéros de l'université. Et pour moi, je trouve que c'est un cadre qui permet aux personnes des différents milieux associatifs, politiques, économiques de se retrouver. Et pour ce qui concerne Crédassure et mon parcours, j'ai un parcours des banques et assurances. J'ai plus de 17 ans d'expérience dans les secteurs bancaires et assurances en Belgique et aux Pays-Bas. Mon expertise est dans le domaine des gestions des risques et des assurances. Ça va faire 8 ans que je me suis décidée aussi comme Sylvie, que j'ai rencontrée en RDC, d'aller apporter mon expertise en RDC. Au début, je suis allée toute seule. C'était pour accompagner les cadres, les employés des banques et des compagnies d'assurance avec des formations en audit, gestion des risques et dans les assurances. Après, je me suis rendu compte qu'étant à temps plein, donc je suis cadre chez Belfius, je ne pouvais pas toute seule arriver à remplir cette mission.
et j'ai engagé plusieurs experts, consultants de la diaspora, des Belges, des Français, des gens qui viennent de partout, pour aller accompagner cette mission de renforcement des capacités en Afrique. Et j'ai créé les cabinets consulting Crédassure il y a 8 ans. Et ces cabinets accompagnent toutes les grandes banques et compagnies d'assurance en RDC. Et nous avons formé plusieurs cadres. C'est dans ces parcours que j'avais rencontré Sylvie Becker, qui était encore chez Raosur. Nous avons accompagné Raosur, Activa, SEPA et toutes les grandes institutions que vous connaissez en RDC. Et je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas s'arrêter là. Il y avait des tout-petits qui avaient aussi besoin d'accompagnement. Les PME, à chaque fois qu'ils allaient demander des crédits, ils se retrouvaient facilement en impayé. Il fallait les accompagner avec une formation. C'est quoi un crédit? Comment arriver à gérer sa structure et le pérenniser? On a créé Crédassure Nord-Sud, donc INAES Bell, qui connecte les expertises, les PME d'Afrique et de l'Europe, et en commençant par la Belgique et la République démocratique du Congo. C'est une aventure donc, qui a commencé en visio, c'était en période Covid, et pour finir par un grand forum Crédassure qui réunit plusieurs pays, qui réunit plusieurs entreprises de plusieurs secteurs, publics, privés, qui réunit plusieurs autorités publiques, plusieurs partenaires belges, et j'ai aussi voilà, des partenaires qui sont présents, à Brussels qui nous a fait confiance, AOEX et tous les autres. Notre but ici en Belgique, c'est d'accompagner l'entrepreneuriat, d'accompagner les PME, surtout de la diaspora, qui ont besoin d'un financement, qui ont besoin d'informations, qui veulent s'exporter en Afrique, mais qui ne savent pas par où commencer. Alors, on les recommande vers nos partenaires qui font bien cette mission. Donc, voilà un peu en gros ce que fait Crédassure. Et c'est un plaisir pour moi de vous présenter encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas Crédassure, qui est Crédassure. Et j'en profite de l'occasion pour vous annoncer quelques événements qu'on va organiser bientôt. Les 25 au 27 septembre, nous avons un forum économique Europe-Afrique qui va réunir plus de 15 pays africains et plusieurs pays européens, les investisseurs, les porteurs de projets, des entreprises publiques et privées, les agences de promotion des investissements et plusieurs ambassadeurs des pays africains. Et encore une fois, nous serons avec nos partenaires qui nous accompagnent toujours. Merci à Brussels. Et Henri Désiré, merci. Merci pour la confiance. Donc, Henri, c'est un coach, je peux dire. Hein. Donc, tu m'inspires beaucoup. Donc, voir tout ce que tu fais aujourd'hui à Bruxelles, demain à Washington, demain en RDC, je me demande comment il fait. Donc, voilà, Henri, c'est un modèle. Et je félicite voilà, tout ce qu'il fait, arriver à réunir plusieurs personnes des différentes origines. Vraiment, chapeau, Henri. Je ne pouvais pas rater le 5e anniversaire. Malgré mes occupations, je me suis dit, je dois être présente. Félicitations à toute l'équipe et bravo pour tout ce que tu fais. Et voilà, merci à tous et à très bientôt. Merci bien. Alors, notre dernière intervenante de ce soir, eh bien, on parle beaucoup business, mais là où l'Afrique se développe également, c'est le côté culturel. Alors, plusieurs d'entre nous sommes habillés avec des tenues, mais on oublie souvent également le côté chant. Et donc, j'invite Zekia Aboubourin, alias Oladé, qui est auteur, compositeur et artiste béninoise. Où est-elle passée? On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Et j'adore sa tenue. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est ma toute première fois. Et là, je suis vraiment très, très, très heureuse d'être parmi vous ce soir. Franchement, j'ai été sidérée par tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu. Et j'espère que ça va continuer comme ça et on va fêter encore les apéros de la diversité pendant 100 ans. Pourquoi pas? Bon, je ne sais pas trop discourir, je ne vais pas trop discourir. Je vais passer à l'action parce que le micro, ce que je sais faire avec le micro, je vais le faire ce soir. Mon micro, mon manchawa. Din 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 din
kwata kilo jeni nu ishewa. Din 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 din. Asha okere dara loto subo shagbagba ni asha leni. Din 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 din. Oko mi pa kuwa mu yale wa o. Oko mi po ya yi o ya shasu. Oko mi pa kumejo sheko fumi je. Moni oko mi pa kumeji sheko fumi je. O wa di ogojo o ka to soro be o. O ba ka mi le se ke se lo gba ni mo. O dogojo o ka to soro be o. Din 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 din. Mi mo ba re le ajeje asa ile o wa mo ni yo we. Se 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 on va aller comme ça tout doucement. Mi mo bare le ajeje asa ile o wa mo ni yowe sese nse dale tiwa tiwa asa ile o wa mo ni yowe eje ka jo gbe eje ka jo gbe lahuge ka mo se gbe ko ka mo se gba so wa fi Africa Africa yi o gbe lahuge cheche Bela huge, cheche uba. Bela huge, cheche. Bela huge, money oh. Bela huge, money eh. Bela huge, oh ya oh. Bela huge, oh bela huge, oh bela huge. Merci. Je suis vraiment très heureuse d'être là ce soir. Merci Henri pour l'honneur, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Eh bien, voilà comment on clôture les interventions de ce soir. Je n'ai pas cet organe-là, donc je vais vous demander de chanter avec moi la chanson d'anniversaire, en fait, parce qu'un anniversaire, c'est comme ça qu'on termine. Mais on attend encore le gâteau, alors. Bon. Henri, est-ce que tu veux nous parler encore un peu des projets futurs, en fait, des apéros de la diversité? Alors, je crois me souvenir, il y a de cela quelques mois, avoir émis l'idée de délocaliser les apéros en province, en Wallonie, en Flandre, pour pouvoir aller à la rencontre d'hommes et de femmes de qualité qui, en dépit de leurs occupations, n'ont pas toujours la possibilité de se connecter les uns aux autres, l'idée étant évidemment de pouvoir aller à leur rencontre pour susciter cette interaction. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai beaucoup réfléchi sur la périodicité. Vous le savez, actuellement, c'est tous les deux mois que nous organisons les apéros de la diversité. Alors, l'idée première était de maintenir ce rythme. Mais je me rends compte que ce n'est pas forcément évident. Et donc, je suis en train de mûrir la réflexion sur un certain nombre de pistes que j'aurai à cœur de vous soumettre en temps et en heure. Mais je lance un appel solennel ce soir, car je reconnais des visages de femmes et d'hommes qui ont des idées derrière la tête et que j'invite instamment à réfléchir sur des passerelles envisageables avec les apéros de la diversité. Je voudrais que vous compreniez une chose très simple aujourd'hui. Les apéros de la diversité vous appartiennent. En lançant le concept, il y a de cela 5 ans, je me suis fait le modeste outil ou vecteur à travers lequel pouvaient s'exprimer toutes les bonnes volontés. Mais aujourd'hui, je serais tenté de dire que les apéros de la diversité sont tombés dans le domaine public. Pour ce faire, si vous avez des idées, des suggestions, des pistes à soumettre pour enrichir le concept, pour qu'il aille davantage plus loin, ça fait 5 ans que nous sommes là, eh bien, j'espère vous retrouver dans 5 ans pour les 10 ans, pourquoi pas. Et à ce moment-là, on fera un bilan qui tiendra la route
Et on pourra se dire, ben voilà, on l'a fait à Paris, on l'a fait à Londres, on l'a fait à Mons, on l'a fait à Anvers, qui sait. Mais surtout, dites-vous bien que nous sommes dans une dynamique collective. Et ce que j'entends par dynamique collective, c'est véritablement l'union de toutes les forces et de toutes les énergies. Car vous savez ce que l'on dit dans ces cas-là, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est ça qui sous-tend véritablement cette initiative qui vous appartient. Et je dis en toute humilité, encore une fois, et avec l'émotion qui me submerge à cet instant précis, vous voir aussi nombreux à ce moment précis, le 9 mai 2024, tous à l'unisson, pour célébrer ce moment si particulier que vous avez contribué à faire connaître, non seulement par votre présence, mais en relayant l'information, en créant et en suscitant une communauté d'intérêt, dans le sens le plus ouvert du terme. Et donc, je voudrais vous renouveler non seulement mon attachement pour chacune et chacun d'entre vous, mais surtout vous remercier pour votre disponibilité sans faille, qui ne s'est jamais démentie pour faire de ce rendez-vous un moment de convivialité. J'en ai ainsi fini pour ce soir, avant évidemment le gâteau que nous allons ici ensemble souffler. Je remets le micro à Tiffany, mais je voudrais surtout que vous puissiez faire un tonnerre d'applaudissements pour celle que j'ai eu l'immense privilège de rencontrer il y a une dizaine d'années maintenant, Tiffany Février, sous vos acclamations s'il vous plaît. Merci. Alors, Tiffany et moi, on en a fait des choses, hein. C'est pas ce que vous croyez. On se calme. Je vois déjà des regards qui se... Bref. Elle est venue à Kinshasa, c'était l'année passée. Voilà, tout à fait, un an, donc pour animer avec moi la semaine de la science et des technologies, qui est un moment très important. Et puis surtout, nous avons ensemble œuvré au sein de l'African Belgium Business Week. Pour ceux qui se souviennent de ce rendez-vous B2B qui avait lieu chaque année depuis 2014 au Château du Lac à Genève, eh bien, nous étions déjà embarqués sur le même bateau. Je n'en dirai pas davantage. Merci d'être là, Tiffany. On peut encore l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Eh bien, merci beaucoup pour ces quelques mots. Effectivement, rencontrer Henri il y a 10 ans a vraiment bouleversé ma vie parce que discuter de la diversité quand on n'a pas quelqu'un en face de soi avec qui en parler, ça ne change rien. Ça, on discute de ça dans son divan, avec son voisin, mais sans plus. Et ce qui m'a appris, c'est à pouvoir concrétiser ce projet. Et les apéros de la diversité, c'est vous vraiment qui l'avez créé avec nous, avec Henri, de pouvoir chacun se connecter les uns aux autres pour pouvoir ensemble travailler, ensemble faire des propositions, des projets. Quoi, quel beau gâteau, on a tous envie. Je vois vos yeux en fait qui descendent au fur et à mesure. Et donc, voilà, moi je pense que vraiment il faut effectivement remercier Henri pour ce projet et pouvoir l'aider à le prolonger parce que j'ai entendu plein de fois qu'on le voit dans l'avion à chaque fois. Et donc, pouvoir mettre en œuvre ce genre de projet, ça demande des soutiens, ça demande des partenaires. Donc je remercie encore nos partenaires de ce jour et j'espère que chacun d'entre vous pourra porter le projet encore plus loin, encore ensemble et encore avec beaucoup d'années devant soi. Alors, qu'est-ce qu'on recherche maintenant ? De quoi allumer les bougies ? Il n'y a personne qui est fumeur ici ? Ok. Qu'est-ce que tu cherches ? Toon ! Toon, s'il te plaît, viens nous rejoindre ! Toon, une fois ! Toon, deux fois ! Quelqu'un le voit ? Non, je ne le vois pas. Désolée. Toon. Bon, alors, je crois qu'on peut chanter sur ce, hein. Il y a plein d'autres personnes qui filment. Ils sont tous avec leur téléphone, là. Bon, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
Alors, est-ce qu'il y a une bonne âme qui sait nous prendre les assiettes qui sont au fond de la salle, s'il vous plaît? Ainsi que les couverts. Merci beaucoup, messieurs. Voilà. Alors, un mot aujourd'hui, justement, vous représentez la diversité, et puis un encouragement à la future jeunesse, et puis votre mot politique pour ces élections. Mais en ce qui concerne déjà l'événement que nous vivons ici, 5 ans, c'est rare que des organisations venant de la diversité résistent ainsi. Et surtout, je prends l'ampleur de ce qu'il fait. Henri est ici, Henri est ailleurs, Henri est ici, Henri est partout. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'exceptionnel. Et tout le monde adhère à son projet. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais alors, que faire par la suite? Par la suite, c'est conscientiser tous ces jeunes pour qu'ils aient la capacité de se mettre ensemble. Ils ne viennent pas venir tous se mettre ensemble dans le projet diversité, mais ils peuvent créer plusieurs projets qui finiront par se faire parler dans diversité. Et quand à la politique, moi, je suis candidat au fédéral, je porte le numéro 2 sur la liste des engagés, numéro 6. Alors, qu'est-ce que je peux souhaiter de mieux? C'est d'abord mon élection, afin que la voix de l'Afrique, que la voix des affaires étrangères entendent au moins les corrections par rapport au message qu'ils veulent envoyer ailleurs. Et ça, je crois, c'est important. Et en ce qui concerne le national, la nation, j'ai 3 principes que j'entends aborder. La dénonciation des discours de haine, racisme et sexisme. Pour ça, j'aimerais qu'on arrive à une juridiction spéciale qui, très rapidement, se mettra à la poursuite de ces gens qui se retrouvent très souvent sur les réseaux sociaux. Alors, deuxième projet important, c'est trouver la sécurité et la tranquillité des quartiers en recourant aux grands frères et grandes sœurs. Ainsi, le lien sera établi entre les habitants de quartier et les instances de gouvernance locale, avec beaucoup de facilité. Troisième projet, ça, évidemment, quand je parle, souvent on pense au sport. Effectivement, le troisième projet, c'est le sport. Valoriser le sport pour toutes et tous. Et puis, mettre en place des mécanismes qui permettent à ceux qui sont démunis de payer les cotisations pour les clubs sportifs. Alors, voilà, c'est déjà 3 idées. Mais il y en a plus. Gâteau, s'il vous plaît. Okay, merci.